Tu doutes de cet amour, tu doutes peut-être de ses sentiments, tu doutes peut-être de tes sentiments, de ce que tu as envie avec cette personne, de ce que tu éprouves. Est-ce qu'on peut avancer ensemble ou est-ce que je me fais un leurre? Est-ce que je ne m'accroche pas à des dogmes? Toutes ces questions, beaucoup de questions, trop de questions. Pourtant, l'amour, c'est si simple. Ça devrait être simple. Mais ça ne l'est pas. En tout cas, ça ne l'est pas pour toi. Est-ce que tu es en relation sacrée? Est-ce que c'est toxique? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va quitter sa femme? Quitter son mari? Est-ce qu'il va tout lâcher pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois quitter mon mari? Est-ce que je dois quitter ma femme? Tant de questions et tellement peu de réponses. Est-ce que je dois quitter cet homme? Est-ce que je dois quitter cette femme? Est-ce que mon bonheur est encore avec lui ou avec elle? Ça en fait des questions. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu as déjà ces réponses. Peut-être que tu n'oses pas aller les voir. Peut-être que tu ne veux pas connaître cette réponse. Quoi qu'il en soit, on te dit d'écouter ton troisième œil, ton intuition. Le temps de l'engagement est arrivé. Mais quel engagement et avec qui? Qui de vous deux se fourvoie? Qui de vous deux tente de se mettre des œillères et de se voiler d'illusions? Quelle est cette évidence? Je t'en donne encore des questions. Peu importe ce qu'on te dira, peu importe ce qu'on t'apportera comme réponse, quand on est avec une tierce personne, et qu'on n'arrive pas à la quitter, c'est parce qu'on doit terminer quelque chose avec elle. Peu importe les excuses qu'on te donnera, peu importe les excuses que tu lui apporteras ou que tu ne voudras pas. Quand une tierce personne arrive dans notre vie et qu'on choisit cette tierce parce qu'on doit travailler encore des choses en lien avec elle, parce que peut-être des enfants, peut-être un côté matériel, tant de choses. Je pense à toi, le retour, le silence et la distance, le voyage personnel, l'adversité, la réussite, les messages, les mensonges. Où souhaites-tu aller? Quelle direction souhaites-tu prendre? Où et avec qui? Tu vis quelque chose de fort, avec une personne particulière, avec un lien particulier, parce que tu es aussi une personne particulière, parce que tu as aussi tes dons que tu exploites petit à petit, qui sont grandissants, qui prennent de plus en plus de place. Tu t'ouvres aussi sur ton côté spirituel, qui tu es, où vais-je, qui suis-je? Et pourquoi cette personne-là fait-elle vibrer en moi tant de choses négatives et positives? Pourquoi elle arrive à remuer en moi des choses que j'ai longtemps enfouies? Pourquoi quand je suis avec cette personne, je me sens en totale complétude et si vide quand il ou elle n'est pas là? Et pourquoi n'arrive-t-il ou n'arrive-t-elle pas à faire un choix? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à simplement se positionner ici, avec l'autre, avec moi, peu importe? Pourquoi je me suis mise dans une situation comme celle-ci? Et pourquoi j'y reste? Ça en fait des questions. Tu as les messages. On te dit d'arrêter de te mentir. On te dit d'arrêter d'essayer de trouver une excuse à tout. Ouais, sensiblement, ta relation, elle est sacrée. Ouais. Elle est importante, mais comme toutes tes relations d'ailleurs. Qu'elles soient en relation sacrée ou dans une autre relation. Toutes nos relations sont importantes à vivre. Ici, demain, hier.
Tu enlèves ou vous enlevez, toi et certainement cette personne, le voile d'illusion. On parle de la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. L'ordre des choses est de pardonner. Vous êtes là pour vous apporter quelque chose de nécessaire l'un pour l'autre. Et parfois, les chemins doivent se séparer. On a l'impression qu'on n'aura pas la même destination, en tout cas quand on le vit, parce que tu vis l'instant présent. Le futur, on n'y est pas. Mais ici, on voit bien que ce futur est peut-être à deux, avec cette personne, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois encore avancer, tu dois encore aller au bout de ton questionnement, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus, que tu as cette force aussi de pouvoir dépasser encore tout ça, et que s'il a choisi cette personne, en tout cas aujourd'hui, ça a un sens, peut-être pas pour toi, mais pour l'autre. Il doit aller au bout de ça, il doit expérimenter aussi de son côté indépendamment de toi. On ne souhaite pas le malheur de la personne que l'on aime, on ne souhaite pas qu'il puisse être triste et malheureux. C'est pas du tout ce qu'on veut. Si à un moment donné on l'a voulu, on l'a exprimé, c'était simplement et purement égotique, parce que tu sais aussi bien que moi que c'est clairement pas ce qu'on veut. Tu as beaucoup de culpabilité à avoir commis des erreurs, peut-être à avoir tenté le diable par d'autres moments, tout comme l'autre. Alors avance, en fait. Cette tentation, elle sera assouvie ou pas. L'ordre des choses est déjà de te pardonner pour ensuite pardonner à l'autre. Sois en paix avec ça, reprends ton chemin, et si vos chemins de vie doivent se croiser à nouveau, ça se fera, avec ou sans ton accord, avec ou sans ta volonté, idem pour la personne que tu aimes. Quand tu n'as pas d'emprise sur une situation, lâche prise. Lâche le lien, ça ne sert à rien de le tenir. Tu te pourris l'existence avec ça, tu te pourris ton quotidien et tout ce qui va avec. Tes nuits, donc ton sommeil, ton alimentation, ton rapport avec les autres, tout prend trop de place. Alors, tout le monde ne comprendra pas que tu vis quelque chose de fort, d'intense, que tu vis peut-être même une relation sacrée. Bon, on s'en fout en fait, parce que ils seront jamais à ta place et personne ne mettra tes chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Continuer d'avancer. En ayant l'espoir qu'un jour, vous vous rencontrerez à nouveau, tu seras une nouvelle version de toi, qui sera une nouvelle version de lui ou d'elle. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, vivons l'instant présent, vis aujourd'hui, ici, là, maintenant, avec moi. Accepte ce voyage qui est le tien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On ne rencontre personne par hasard. Tu vas être guidé, tu vas avoir ces synchronicités, on ne va pas t'abandonner, on est toujours avec toi, tes guides, tes anges, l'univers, Dieu, nous. Alors avance, permets-toi. Vis, profite, tente. Et quand le moment sera venu, mais surtout au moment où tu seras prête ou prêt, le reste suivra. Alors ça ne répond pas à toutes tes questions, mais tu auras tes réponses au fur et à mesure que tu avanceras sur ton chemin de vie. Mais si tu ne commences pas, tu n'auras jamais ces réponses. Elles ne tomberont pas du ciel, hein. Clairement pas. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire.